Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve devant Global House pour un moment exceptionnel à Koh Samui, un rassemblement des bikers. Si vous êtes amateur de moto et de tout ce qui concerne la moto, ce moment est fait pour vous. Les organisateurs fêtent cette année le 12e anniversaire de la semaine de la moto, The Samui Bike Week. C'est parti! Ce rassemblement a lieu devant le magasin Global House qui a ouvert il y a quelques temps ici à Koh Samui. Alors ça c'est vraiment intéressant parce qu'à Koh Samui pour trouver un casque de qualité, c'est vraiment très très rare. Alors sur le côté droit de cette rue, on voit des stands sur tout ce qui concerne Harley Davidson. Sur le côté gauche, c'est plutôt la nourriture. Et j'espère qu'on va voir aussi les motos. Alors ce monsieur il a fait des efforts de présentation, ses chaussures, il a mis les bottes en plein milieu, il a bien raison parce que du coup on s'arrête. Ah, voilà qui va faire plaisir. Walika. Thank you.
Il y aura ce soir un grand événement musical ici à Koh Samui. Alors venez soutenir ces organisateurs. C'est un des premiers événements ici à Koh Samui. Visiblement, c'est l'heure des balances avant le spectacle de ce soir. Malheureusement, ils ont été un peu contraints de modifier l'implantation en raison des pluies qui se sont abattues sur Koh Samui cette nuit. Donc j'espère pour eux que ça va s'arranger ce soir et qu'il y aura autant de monde qu'ils le souhaitent. L'événement s'appelle Samui Bike Week. Il a lieu chaque année. Il a été déplacé parce qu'auparavant il était plutôt du côté de Chaweng. On trouve aussi quelques stands de nourriture. Alors comme on se trouve sur le parking de l'établissement global, eh bien, il y a quelques motos qui sont isolées, on va se rapprocher un petit peu. J'avais réalisé une vidéo pour l'ouverture de ce magasin de bricolage. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors on a quelques Harley bien propres au regard de la boue qu'il y a un peu partout. Félicitations. Wadika? Wadika? Put pasta English dai mai? Ah, ini tuh. Ah, biasa di sini ya. Saya kak. Di sini jadi mau coy, kau jagaan. Kampung kak, where are you from? Samui. Samui? Okay, kak. Woi. Les bikers se rejoignent ici à Koh Samui. Petits et gros d'ailleurs. Vous êtes amateur de moto, BMW, Harley Davidson et autres Ducati, venez ici à Koh Samui. Wadika. Sini ada enak kah? Ini nuan. Nuan? Kapongka. Indika. Elle est en train d'ajouter des feuilles de kaffir, ça va sûrement donner un délicieux goût à cette soupe. Les organisateurs fêtent cette année le 12e anniversaire de la semaine de la moto, The Samui Bike Week. Pour la soirée, le tarif d'entrée est de 300 bahts. On vous remettra ici un badge Kodu. Kodu no idai. Donc à partir de 19h, on peut venir ici retirer son ticket d'entrée, 300 bahts. Vous pouvez rentrer et profiter du concert. Si vous êtes à Koh Samui en ce moment, venez, c'est jusqu'à demain dimanche.
ออกจากบริเวณที่ลานจอดนะครับโดยที่เราเตรียมที่จอดตรงลานดินนะครับ Ici une glowing Honda. Elle est pas toute jeune. C'est une 1500. Il y a quelques années de ça, j'étais passagère de ce genre de moto. C'était un très bon souvenir. J'en profite pour faire un coucou à mon ami Yves de 7 qui se reconnaîtra. Voilà, ici on se prépare pour la soirée. Ça va les gars? Wadika. Ça sent bon l'orange. Est un petit peu filtré, c'est pour orienter les gens vers le bon endroit pour le stationnement. En fonction de s'ils sont des clients de Global House, on les orientera pas au même endroit pour le stationnement. Quelquefois il faut aller un petit peu plus loin pour voir les bikers. Il se trouve qu'en fait ils sont à table actuellement, donc ils ont tous laissé leur moto ici. Je vais voir laquelle je prends, j'hésite. Qui aime les custom. Et puis en face on a une BM pour aller faire le Paris-Dakar. Retour du côté des Harley. La BM de la police ou alors c'est juste je ne sais pas. Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Là, il n'y a pas la marche arrière sur les Harley. Alors, j'en étais à la Harley grise. Harley, il faut les voir de derrière aussi, en effet, parce que les top case ont vraiment leur particularité, parce qu'on ras du sol. Un modèle plus traditionnel, enfin plus traditionnel, disons, qui brille davantage. Là, Harley, gris cendré. J'avoue qu'autant en Glowing je m'y connais, autant en Harley pas du tout. Et puis il y a aussi celle-ci qui est pas mal. Ah non, pardon, ça c'est mon scooter. Sawadika, bikers! Sawadika! Sawadika, bikers! Sawadika! Sawadika! King Arai, mani? King Arai? Ah, Bad Mac. Bad Mac.
อ๋อขอบคุณค่ะหมดแล้วนี่ก็อยู่ใต้แบบนี้ I make a video for YouTube Emma my channel Emma Kosamui Emma Kosamui ขอบคุณค่ะSi vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de mettre un like. Merci pour vos encouragements et je vous dis à bientôt à Koh Samui pour de nouveaux événements. Bye bye!